Nicolas Bouzou. Alors l'économie, c'est quelque chose qu'on entend ces derniers jours, depuis la semaine dernière, notamment dans les colonnes de la presse libérale. Est-ce qu'une victoire de Marine Le Pen pourrait entraîner une fuite des capitaux du pays? Alors ce qui est vrai, c'est qu'en 2017, hein, quand la probabilité d'un second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon montait dans les sondages, on avait vu une augmentation des taux d'intérêt sur les marchés, hein, ce qui était le signe de la fébrilité de nos créanciers. Alors évidemment, ça peut toujours arriver, la fuite des capitaux, mais on peut jurer de rien. Et surtout, il faut aller plus loin et se demander ce qui pourrait faire partir les capitaux de notre pays. À mon sens, avec le programme de Marine Le Pen, il y a deux grandes interrogations qui peuvent effrayer les investisseurs. La première interrogation, c'est bien évidemment le coût de son programme. En réalité, c'est un coût qui est assez prohibitif. Il y a eu plusieurs chiffrages. Il y en a eu un de l'Institut Montaigne, notamment, qui montre qu'entre entre la hausse des dépenses, par exemple la nationalisation des autoroutes, et puis les baisses de recettes, il y a des exonérations de cotisations patronales pour les hausses de salaire, il y a des baisses d'impôts sur le revenu, eh bien, on arrive à plus de 100 milliards d'euros. La retraite à 60 ans, d'ailleurs, même si il y a des exemptions, il y a des nuances, est particulièrement coûteuse. Et en face de ces 100 milliards d'euros, de l'aveu même de la candidate, d'ailleurs, si je reprends son programme, il n'y a que 16 milliards d'euros d'économie. Puis je remarque aussi des bizarreries, par exemple, quand vous lisez attentivement le programme de Marine Le Pen, il y a le fait de manger de la nourriture d'origine française dans les cantines scolaires, donc très bien. Et quand on voit financement, il y a simplement écrit autofinancé. Bon, alors, vous, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Oui, effectivement. Alors, première interrogation, donc le coût du programme. Et la seconde. La seconde, qui à mon avis est beaucoup plus importante, c'est le maintien ou pas dans l'Union européenne. Alors, vous me direz que ça n'est pas dans son programme. Ben ça oui. L'était en 2017, ça n'est plus aujourd'hui. Oui, sauf que Marine Le Pen dit explicitement qu'elle remet en cause la libre circulation des marchandises. Elle remet en cause la libre circulation des personnes. Or, c'est évidemment absolument interdit par les traités européens. C'est deux des quatre libertés fondamentales. Vous avez raison, Dimitri. Et donc, si on ne respectait pas ces libertés, ça voudrait dire de fait la sortie de l'Union européenne. Et la sortie de l'Union européenne, ça veut dire de fait la sortie de la zone euro. Est-ce que vous ne cherchez pas à faire peur aux gens en brandissant ces menaces un peu classiques maintenant, hein? Alors écoutez, ce que je viens de dire est parfaitement vérifiable. Donc on peut aller le voir dans le programme de Marine Le Pen. Je crois que c'est surtout à Marine Le Pen elle-même de dire si elle revient sur son programme ou si par exemple elle assume le Frexit. En fait, on ne s'est pas rendu compte de tout ça à cause de la pauvreté, hein, de la campagne de premier tour. La question de la dette a été absente du débat du premier tour. D'ailleurs, le président sortant lui-même n'est pas très rigoureux sur cette question. La question de l'Europe a été absente de nos débats de premier tour. Le programme de Marine Le Pen n'a pas été analysé en réalité ces dernières semaines. Il donne l'impression d'avoir changé depuis 2017, mais quand on le regarde attentivement, pas tant que ça. En bref, votre moment fort de la soirée d'hier? Ah, les déclarations d'Anne Hidalgo et de Valérie Pécresse, parce qu'elles ont assumé des échecs incroyablement forts avec beaucoup de dignité. Et moi, vous savez, j'ai toujours de la reconnaissance pour ceux qui font vivre la démocratie, même quand ils connaissent des échecs cuisants. Eh bien, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, je vous en parle dans un instant, dans un petit tour d'horizon de la presse de ce matin. Merci beaucoup, messieurs. Bonne journée. Il est 7h22.